à tous, je vois que vous êtes quelques-uns déjà à nous suivre. A priori la bêta commence à se lancer, parce que tout à l'heure on pouvait pas s'authentifier. Bah écoutez, on va tenter de jouer, c'est parti. Bon bah a priori c'est parti. Bon, la bêta est un petit peu en avance, on a quelques minutes d'avance, c'est cool. Donc attendez-vous à ce qu'il puisse y avoir des coupures, à ce qu'il puisse y avoir quelques petits soucis. Voilà, c'est une bêta, c'est la toute première, c'est le premier moment où le jeu se lance. Donc voilà, donc le jeu n'est pas dans son état final. Il y aura un patch Day One qui sortira, qui améliorera justement un peu tout ce qui est optimisation graphique, framerate et autres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai. Et je vous laisse avec l'intro. La guerre ne meurt jamais. En 1776, cette grande nation a accepté que les conflits armés étaient la seule manière de préserver notre droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Si nos pères fondateurs nous voyaient aujourd'hui. Dantietam à Amiens, d'Okinawa à Anchorage, nous avons combattu. À présent, la menace rouge est à nos portes. La démocratie elle-même est menacée d'extinction. C'est pourquoi aujourd'hui, le 4 juillet 2076, 300 ans après la création de notre grande nation, nous sommes réunis pour célébrer la fin de la construction de l'abri 76. Ce gigantesque abri souterrain a certes été conçu par Voltec, mais c'est vous qui l'avez bâti, peuple d'Amérique, afin que si les bombes tombent, si notre fin arrive, notre style de vie puisse survivre. Mais tous ne seront pas sauvés. Ceux qui seront choisis pour entrer dans cet abri devront être les meilleurs d'entre nous. Quand les combats auront cessé et que le nuage se dissipera, il sera temps de reconstruire. Pas seulement les façades, pas seulement les bâtiments, mais nos cœurs, nos esprits. Et en fin de compte, l'Amérique elle-même. Nous nous tenons ici aujourd'hui avec l'espoir que le monde connaisse la paix. Mais si notre destin est différent, si la guerre doit arriver, nous serons unis et nous saurons qu'ici, dans l'abri 76, l'avenir nous appartient. Voilà, l'intro vient de se terminer. Et nous voilà dans notre abri. Ici votre superviseur. J'espère que vous avez bien profité de la fête hier soir. Je parle aussi de ceux qui ont un peu trop célébré ou dormi. Donc voilà, on passe à la personnalisation de notre personnage. Donc là, avec les gâchettes, j'ai le choix d'un... Je peux choisir un premier visage de base que je vais pouvoir un peu remodeler. Il est peut-être temps de partir, mais je n'oublierai jamais le jour où vous avez tous pénétré dans l'abri 76. Vous êtes des hommes et des femmes de tous horizons, de toutes origines, couleurs de peau ou croyances. Alors, visage sculpté, donc voilà. Ça, c'est ce que j'aime bien, c'est ce qui est, ça a été repris de Fallout 4. Que ce pays avait à offrir. Mais surtout, vous serez toujours ma famille. Hop. 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 Hop.
monter un peu les oreilles. On fait comme on veut. Ok. Voilà, on choisit la couleur des yeux. Hop. Alors. On a vraiment le choix des coupes. Allez, on va pour cette coupe. On regarde le profil, impeccable. Alors, on peut choisir entre athlétique, plutôt mince, plutôt massif. Allez, partons vers un athlétique. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, au hasard, on va le nommer. Vraiment au hasard. Salut Creed. Voilà, donc une petite carte de l'abri. Afficher les joueurs, expression apeurée, amusée, en colère, ému. Voilà. Un peu de luminosité. Ah, bon, on a même des filtres. La classe. Voilà, une belle photo. Alors j'ai cru entendre du bruit tout à l'heure, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas tout seul dans la partie, donc ça serait cool. Ok, le Pip-Boy tient bien. Impeccable. Allez, on ouvre la porte. On vous a demandé de rebâtir l'Amérique. Rien que ça. C'est une responsabilité écrasante. Sachez simplement que on peut se balader un Voltec est petit fier peu. de vous, que je suis fier de vous. Quand vous entendrez ce message, je serai déjà parti depuis plusieurs heures. J'ai ma propre mission dans les Appalaches. C'était votre superviseur. Et... Terminé. Bon ben. Voilà, vous voyez, on peut déjà envoyer des... Ok, donc je suis pas tout seul dans la partie, ça c'est cool, ça veut dire qu'en tout cas pour l'instant, ça fonctionne bien. Ok, donc là on peut déjà commencer à récupérer des items, de l'eau purifiée,
Donc nous soumis aux radiations. Un steam pack, un radaway. Des matériaux de construction. Ça en est plutôt pas mal. Alors, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir trouver 2-3 trucs là derrière. Journal du superviseur. Bonjour. Ok, on va continuer en direction de la sortie. Là, ça y est, je vais atteindre. Je vais pouvoir paramétrer mes habilités. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué pour ceux qui ont lu la preview. Donc, je peux choisir. Vous voyez en haut sur spécial, j'ai un point par lettre. Donc, je peux choisir. Donc, par exemple, hop, on va prendre force. Voilà. Voilà, et donc là, je peux m'équiper de cette carte. Voilà. Et j'ai atteint mon niveau 2. Je sais même plus dans quelle direction j'allais. Ah, si c'est bien ça. C'était par là. Hop. Et c'est parti vers la sortie. De Chine occidentale, nous voilà. Petit temps de chargement, donc n'hésitez toujours pas à poser vos questions hein, si vous en avez dans le chat. Je l'ai sous les yeux, je le surveille. Et voilà, première quête accomplie. Nous y voilà. Alors. On va proposer de les inviter dans l'équipe.
Ok, bon, je leur ai proposé d'être dans l'équipe, j'espère que ça va suivre. Donc voilà une petite idée de la carte. Vous voyez, il y a de quoi faire. Des armes. J'avais joué la première fois. Ok, j'ai au moins une première arme. Bon, bah, à défaut d'être dans la même équipe. On va au moins rejoindre notre premier objectif. Pour l'instant, on refuse mes invitations. Bon, bah, pas de problème les gens, hein. On va ramasser tout ce qu'on peut. Alors, ah. Là, j'en ai plus bien. On va les laisser se battre tranquillement. Ah.
ramasse de la viande et c'est parti, on continue. Ça y est, on s'approche de l'objectif. Qu'est-ce que je peux fabriquer comme arme ? Dans ce que je confirme être une région hostile. Heureusement, Voltec était prêt. Vous voyez ça ? Un poste de cuisine, une caisse de matériel, pistolet, revolver de fortune. Tout a été construit avec le camp. Il vous faudra une base dehors. Le centre d'assemblage et de montage portatif est conçu pour vous assister dans cette tâche. Vous n'aurez besoin que de ressources, de planification et d'un peu d'huile de coude. Si vous déplacez votre camp, tout ce que vous aurez construit c'est sera parti. Stocké. Voilà, je suis en train d'équiper ma première arme. Une nouvelle zone. Utilisez cette fonction pour vous établir rapidement dès que vous êtes en territoire inconnu. J'ai laissé mon camp derrière moi pour que vous puissiez... Découpe de lancer. Je sais que je ne suis pas mes propres conseils en l'abandonnant. Mais après avoir vu l'état des Appalaches de mes propres yeux, il faut que je sois sûr que chaque résident de l'abri 76 puisse profiter d'un campement de base sûr. Je me débrouillerai ça. Alors, qu'est-ce que la je peux... La ville de Flatwood devrait se trouver au bout du chemin. Allez. Moi, si elle existe encore. Petit steak de râteau. C'était votre superviseur. Terminé. Et c'est tout ce que je peux faire. Alors, armure légère, et ben je peux faire des brassards. Ah ben je peux en faire qu'un. Brassard, allez, un petit chapeau de fête et des lunettes. Et... sur le reste, voilà. Bon, ben c'est parti, on va poursuivre notre objectif. D'écran en passant. Où est mon arme?
On va le mettre en favori et la machette aussi. Allez, on continue à avancer. Et on se rend au prochain objectif. Alors, quel est notre prochain objectif d'ailleurs? Premier contact. Voilà, trouver le superviseur de Flatwoods. Et bien, allons-y. Alors, en même temps, voilà, on va arriver dans des lieux différents. Donc là, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir... c'est de trouver des choses à crafter pour pouvoir ensuite fabriquer un téléphone. Ouais, super. Hop hop. Viens là toi. Super, j'ai trouvé une tasse à café, mais c'est génial. De l'argent d'avant-guerre, ok, mais j'aurais bien aimé trouver une petite arme sympa. Jean-Pierre, c'est plutôt pas mal ça. Là, je peux pas ouvrir. Là non plus. Alors, où est notre objectif? Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans l'église. Superviseur avait dit que d'autres personnes viendraient. C'est un plaisir de vous rencontrer.
Eh ben, c'est un plaisir aussi de te rencontrer. Voilà. Atelier de chimie. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire. Je peux faire un steam pack et de l'eau bouillie. Avec un peu de bon sens et de chance, vous vous en sortirez très bien dehors. Là. Je commence à prendre n'importe quoi. Sam m'a demandé si je voulais parler de la façon dont je suis arrivé ici. Elle a demandé à tout le monde, alors j'ai dit d'accord. Je m'appelle Colonel et j'ai 13 ans. Je voulais juste te dire que j'étais désolé. Désolé pour tout. Pour les bombes, les gens fous et les vaches à deux têtes. Tout. J'ai été méchant. Alors, continuons. Très méchant. J'ai triché pendant mon contrôle d'orthographe, j'ai donné des coups de pied à Chip Wilkins jusqu'à ce qu'il pleure, j'ai poussé Rosie McCoy dans les escaliers. J'ai fait des trous dans les shorts de tout le monde avant les cours. On l'appelle la Grande Guerre maintenant. Elle n'a pas duré longtemps, et le théâtre a été sanglant. Bienvenue dans Récits de survivants. Je suis Dassa Ben-Ani, Samaritaine. Je travaille avec les Samaritains depuis 2 ans maintenant. Je suis originaire de Charleston, donc je n'ai eu aucun mal à intégrer le groupe. Journal du superviseur, ville de Flatwood. Mon Dieu. Voilà, il n'y a pas de bonnes choses là-dedans. Il n'y a personne ici. L'ancienne taverne, l'église, les gens s'en servaient comme abri, mais il n'y a plus personne. On s'attendait à des mutations, mais il s'agit de quelque chose d'autre. D'une maladie. J'ai été attaqué par... Je crois qu'avant... C'était une personne, mais elle présentait des lésions vertes et scintillantes. Et sa voix, furieuse, torturée. On n'aide pas. À quoi ? Ce qu'il s'est passé ici dépasse tout ce qu'on avait imaginé. Et pourtant, on a imaginé l'inimaginable. Les survivants du coin se faisaient appeler les Samaritains, avant qu'ils se fassent décimer. Un groupe composé de pompiers, de policiers, d'urgentistes, on dirait. Qui récompense d'objets. Ils avaient même un système automatisé pour apprendre aux gens à traiter l'eau, à cuisiner. Augmentation de niveau, on passe niveau 3. N'oubliez pas l'entraînement de l'abri. La survie d'abord. Je remplis leurs tests, et vous devriez faire de même. Bon, je suis désolé. Je sais que la situation est bien pire que ce que l'on pensait. Mais quelqu'un doit localiser ces silos à missiles et trouver le moyen de les sécuriser. Les Samaritains sont la meilleure piste que nous possédons. C'était votre superviseur. Terminé. Ok, j'ai pas de niveau là-dedans. Alors... C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok.
pied, couteau de lancer, non, c'est plutôt la tenue. Ok, on va se mettre un béret. Une jambière. Et voilà, on est déjà à moitié équipé. J'entends qu'il y a déjà des joueurs qui se tapent dessus. Un peu de viande, ça fait pas de mal. J'ai pas eu un nouveau niveau, moi, au fait. C'est usant de se tromper de bouche. Là j'ai un niveau de plus, donc je peux choisir en force, en perception, en endurance, en charisme, en intelligence, en agilité ou en chance. En buvant et en mangeant. Hop. Et là, je l'attribue à mon endurance. Allez, c'est parti. Alors, si on prend la carte... Alors, tuer les superviseurs. D'accord, j'en ai plusieurs à faire. Alors, on n'a pas encore eu d'événement. Attention, unité hostile dans le secteur. J'ai plus de munitions. Alors, est-ce que je peux fabriquer quelque chose? En gros, ah ben, les munitions. Il n'y a pas les munitions qui m'intéressent. Ouais, des munitions d'arbalète, non, pas trop quoi. Amas de plomb. Voilà, voilà. Alors, prochain objectif, là-bas. Si je ne décède pas avant.
Alors, il faut que j'aille où, là? Toujours tout droit. Chose là, il faudrait que je me stuff un peu quand même. Amas de plomb, ouais, bah c'est pas foufou encore. Hein. Alors, salut Kaamelott, c'est quoi l'histoire? Bah, l'histoire, c'est qu'on est 25 ans après l'attaque d'une bombe nucléaire, et donc on sort enfin de notre bunker, et donc bah, il faut réapprendre à vivre un peu dans ce nouvel univers. Je ramasse tout ce que je peux pour l'instant, tant que mon inventaire n'est pas vide.
Un peu cassé du méchant. Là, il faut que j'aille casser du robot fermé. Donc là, il y a un événement qui se prépare. Défi terminé, atteindre le niveau 4. Parfait. Pas d'aptitude. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ? Parfait.
Alors, récupérer le kit d'analyse d'eau. Ben, c'est parti. Demandez à tous de documenter nos histoires personnelles pour la postérité. Ce n'est pas une mauvaise idée. Alors moi, c'est Keisha McDermott. Quand les bombes sont tombées, j'étais à Watoga pour coordonner un festival de sciences pour lycéens. Le thème tournait autour de l'avenir des énergies. Après les bombes, ça a été le chaos complet. Il fallait chercher à bouffer, combattre les survivants enragés. Enfin bref, c'était la folie. J'ai retrouvé deux élèves du lycée dont les parents étaient morts. Et on s'est regroupé un bon moment dans une vieille maison en ville. Au bout d'un certain temps, j'ai pu ressouder les circuits d'une vieille radio et on a capté la fréquence des Samaritains. Oh, on était fous de joie. Le voyage de Watoga à Flatwoods n'a pas été facile, vous vous en doutez. On a croisé la route d'un groupe de connards dans les montagnes qui nous ont volé tous nos vivres. Vous imaginez pas le soulagement que ça a été de trouver les Samaritains à Flatwoods. Des tentes pour tout le monde, des cuisines ouvertes, du matériel médical, une certaine protection. Oh, nous étions... Mais ils avaient un problème. Leur source d'eau était lourdement contaminée. Ils la faisaient bouillir, mais pas assez longtemps pour la rendre potable. Alors, je leur ai proposé de construire un kit permettant de tester et surveiller la contamination. Et je leur ai appris à faire bouillir correctement l'eau. Le monde s'améliore peu à peu. Nous devons aussi nous assurer qu'il ne sombre pas à nouveau. Il nous faudra du temps et de l'attention, c'est tout. Enfin, tu tends de l'attention et une touche de science. Équipement contaminé. Assistance requise. Équipement contaminé. Assistance requise. Analyse l'eau. On va faire bouillir de l'eau.
Voilà, alors, prochain objectif. Alors, prochaine quête. Chanel, trouver Delbert dans le registre. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Vous êtes plus que deux. Et au moins, on aura eu un premier aperçu de la bêta. Voilà, bon bah je vous dis à très bientôt sur xboxlive.fr. Merci de nous avoir suivis sur ce live. Allez, ciao.